Europe 1, le grand direct. Le dernier mot de l'actu. Jean-Marc, le dernier mot de l'actu ? Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert. On était en plein dans le débat de Capital encore. Voilà ce que vous avez retenu de l'émission. On commence avec le mot privilège. Eh bien, ce dossier de Capital consacré aux privilèges accordés à certains citoyens, notamment, c'est étonnant, à les éboueurs marseillais. Bah, c'est sûr, pour eux, c'est poubelle la vie. Clandestin. Très bien. Dans le débat, vous êtes revenu sur les intrusions massives des clandestins. Vous avez dit que la situation était tendue à Menton. Les frères Bogdanov ont le même problème. Hein, aussi, situation tendue au Menton. Migrants. Selon votre invité du front de gauche, les migrants à Calais sont hébergés dans des conditions déplorables. C'est vrai, déjà, ils sont à Calais. Pas facile tous les jours. Arrêtez, parce que les pauvres gens qu'on a eu de Calais, c'était compliqué. Ouais, hygiène. Par rapport au temps, on a compris. Hygiène. Ça. Alors, vous en avez parlé, ces camps de migrants posent aussi des problèmes d'hygiène. Ce qui est normal avec tous ces sans-papiers. Ce sans-papiers hygiéniques, quoi. Contrôle. Vous êtes demandé s'il fallait réinstaurer des contrôles aux frontières. En premier, il faudra rétablir des contrôles d'alcoolémie pour les douaniers. Ah, Schengen. Les clandestins circulent librement actuellement dans l'espace Schengen. À entendre certains témoignages, certains voudraient les envoyer dans l'espace tout court. Visa. Vos invités ont rappelé que pour venir en France, en dehors de l'Europe, il faut un visa. Il leur faudrait aussi une visa. Gold de préférence, sera plus facile pour tout le monde. C'est ça. Animal. Et dans un instant, dans le grand direct de la santé, vous poserez cette question. Comment choisir son animal de compagnie en fonction de son budget? Moi, je connais certaines femmes un peu intéressées qui choisissent leur mari en fonction de leur budget. Et on a des noms. Merci beaucoup, Thomas Joubert. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.